Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui donc pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors nous sommes le 10 décembre et donc la phrase que j'ai choisie aujourd'hui, alors c'est d'une personnalité que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Nelson Mandela. Alors il nous dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce les libertés des autres ». La liberté des autres, pardon. Et ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment une très très belle phrase, surtout quand on sait que ce monsieur, quand même, sacré monsieur, donc il a passé 27 ans de sa vie en prison pour... voilà, bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu. D'ailleurs, il y a un superbe film qui met en scène un petit peu sa vie, enfin notamment... Donc il a passé 27 ans de sa vie en prison parce que c'était un opposant politique donc en Afrique du Sud, un opposant mais pacifique. Enfin, il a, voilà, toujours pas dans la violence, ça a toujours été dans la non-violence. Et donc il avait été condamné à la prison à vie. Bon, il en est sorti au bout de 27 ans, donc prison à vie, travaux forcés. Enfin, vraiment, il a eu des conditions de détention assez incroyable et enfin assez pas incroyable mais assez misérable. Et par contre il a donc quand il est sorti de prison, il a fini par être président d'Afrique du Sud, de la République d'Afrique du Sud. Et donc il y a un film qui parle un petit peu, alors sur fond de sport puisque c'est par rapport à l'équipe de rugby donc d'Afrique du Sud, et c'est le film Invictus, et c'est franchement un film qui est très très joli. Donc c'est un film qui est réalisé par Clint Eastwood, et dans les personnages principaux on retrouve donc Morgan Freeman qui joue le rôle de Nelson Mandela, et on retrouve également Matt Damon qui joue le rôle d'un rugbyman. Et franchement c'est un très très beau film sur voilà, sur la j'allais dire la personnalité de Nelson Mandela. Ouais, un petit peu vraiment sur son intelligence politique. C'est vraiment, si vous voulez voir un joli film, c'est vraiment très très beau. Et d'ailleurs, le titre du film, Invictus, il n'a pas été choisi par hasard. Donc c'est Clint Eastwood qui a fait ce film-là. Et en fin de compte, Invictus, c'est le nom d'un poème, d'un poète anglais. Donc je ne sais plus de quelle époque il est. Mais grosso modo, ce poète, c'était le poète préféré de Nelson Mandela. Donc voilà. Et donc Invictus, c'est du latin et ça veut dire invincible. Et quand on voit le parcours de Nelson Mandela, ben c'est vrai que le titre du film lui va bien. Voilà, bon, j'arrête là. Je crois que j'ai rarement parlé autant avant de faire l'ouverture. On va passer à l'ouverture maintenant. Alors, je vais commencer par le calendrier de Liliane, calendrier d'été. Alors, donc, nous sommes le 10. Et rien que de reparler de ce film, ça m'a donné envie de le revoir. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai que je le trouve tellement beau ce film, tellement intelligent que j'aime beaucoup. Alors, donc là, c'est une infusion, donc l'infusion nuit douce. Merci beaucoup. Donc ça, bah, ce sera pour ce soir. Merci beaucoup Liliane. Alors, je mets ça sur le côté. Ensuite, je vais passer, à celui de Sandra. Alors, Sandra... Donc, nous sommes le 10, où il est là. Alors, aujourd'hui... Ah, c'est du thé. Donc, thé Twinning Happy Berries. Alors, je ne sais pas. Berries, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. J'ai du mal à sentir. Eh ben, je vais y goûter. Je ne sais pas quand. C'est marrant, ça me fait penser à des fruits rouges, mais je ne sais pas. Berries, je ne sais pas ce que ça veut dire. Strawberry, c'est les fraises, donc la berry. Ouais, ça doit être des fruits rouges, des trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, toujours le petit Quality Street qui va avec. Moi, je vous dis que le mois de décembre, c'est pas un mois à faire régime. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. C'est avec tous les bonbons de Fifi, puis là, les petites gourmandises de tous les jours de Sandra, c'est mal barré. Hein. Alors, une des couleurs de Noël. Alors, le numéro 10 de Sandra, c'est ça. Alors, ça me fait penser à... Bah, si, attendez, je vais vous les montrer. Je bouge un peu tout mon bazar. Mais ça me fait penser aux pâtes d'encre. Alors, elle m'en avait déjà offert... Oh non, ils sont en dessous. Sandra m'en avait déjà offert l'année dernière. Des pâtes d'encre comme ça. Alors là, je pense que ce ne sont pas les mêmes, mais ils me font penser à des pâtes d'encre comme ça, comme les brillances, parce qu'on sent les deux petites choses là sur le côté. Donc, on va voir si je me suis trompée ou pas.
Mais donc, pour moi, c'est un pad d'encre. Alors, aux couleurs de Noël, une des couleurs de Noël, si je me rappelle bien, une des couleurs de Noël, ouais. Bon, alors, j'aurais tendance à penser ou du rouge, ou du vert, ou du doré, des choses comme ça. C'est du vert. Et mais je crois que c'est une encre brillante. Elles sont belles, ces encres-là. Ouais, c'est une brillance. Elles ont des reflets nacrés. J'en ai une notamment, une gold, Galaxy Gold. Comme ça, elles sont vraiment belles. Elles ont un très, très joli rendu. C'est super sympa. Merci beaucoup, Sandra. Et franchement, je ne l'ai pas du tout. La couleur, c'est lime. Donc, grosso modo, pearl lime. Donc, citron perlé, quoi. Enfin, lime, ouais. C'est limone, citron. Enfin, c'est du, ouais, grosso modo, citron vert, mais perlé, couleur nacrée. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais passer au numéro 10 de Patty. Alors là, je pense que c'est un ruban. Je pense que je ne me trompe pas beaucoup vu la forme de l'emballage. Alors, c'est... je vais y arriver. Une rébellion. Donc, c'est un... Enfin, j'allais dire ruban. Je ne sais pas si on peut appeler ça ruban. Ouais, c'est, enfin, si, c'est un ruban. Mais ça fait un petit peu comme de la toile. Enfin, pas de la toile, mais je ne sais pas comment vous expliquer le fond de ma pensée. Bon, vous le voyez, ce sera peut-être plus simple. Donc, on a dans les couleurs un petit peu rose. Rose fuchsia et couleur craft, couleur naturelle. C'est très sympa. C'est très sympa. J'en ai pas du tout. Merci beaucoup, Patty. Oh là là, que de belles choses encore. C'est ouf. Alors, je vais continuer avec le calendrier de Fifi. Alors, donc là, le numéro 10, il est ici. Est-ce vraiment de la lecture? Bon, c'est plat. J'ai l'impression de sentir de la cartonnette. Alors, je ne sais pas du tout. Est-ce vraiment de la lecture? Alors, il y a des smileys avec livre, une petite femme, et puis un smiley qui fait une tête bizarre. Est-ce vraiment de la lecture? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas du tout, là. Je sèche. Ben, si c'est pas de la lecture, ce serait quoi? C'est le but, c'est la question. Merci d'y répondre. Alors, même quand je vois comme ça, je ne vois pas. Même en essayant de tricher, je ne vois pas. C'est fou, hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Médiéval collection. J'arrive pas à voir. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Mocard. Bon, bah écoutez, on va ouvrir parce que alors là, est-ce vraiment de la lecture? Pourquoi cette énigme? Ah bah, forcément, j'ai enlevé le seul endroit où il n'y avait pas besoin d'enlever, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors là, je... Ah, ils ont fait un double nœud, je vais être obligée de couper. Hein. Oh, zut. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien sympa, ça! Alors, ce sont des feuilles de partition. Oh, c'est trop mignon. Alors, donc en fin de compte, c'est pas vraiment un livre. C'est bon, de toute façon, c'était tout plat. Je m'attendais pas à ce que ce soit un livre. Hop là. Mais là, ce sont donc des feuilles de partition, donc pour mettre sur des créations ou autres, ou pour faire des fonds. C'est super sympa. Et donc, pour ceux qui jouent de la musique, bon, non, on n'a pas tout, hein, mais... Ah, c'est trop sympa, ça. C'est trop sympa. Oh bah là, on est en plus dans les champs de Noël. C'est ah, c'est mignon comme tout. Là, on a quoi? Christmas song. Ouais, bah oui, on est là, on est vraiment dans les trucs de Noël en prime. C'est trop mignon. J'arrive pas à aller. Ah, si, Joy. D'accord. Ouais, c'est trop sympa. Merci. Je sais pas où t'as dégoûté ça encore, Fifi. Hein. Là, c'est super joli en plus. The Christmas tree. Ouais. Oh, c'est très sympa. C'est très sympa. Ouais, je pense que vous voyez quand même. C'est trop mignon. Hein. Et puis, il y a vraiment des feuilles différentes. Là, on est plutôt dans une feuille blanche. Mais les feuilles sont toutes assez fines. Ça fait...
J'allais dire un peu comme le papier vélum, mais non, pas vraiment. Mais enfin, comme au toucher, ça pourrait faire un peu comme le papier vélum, mais beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Fifi. Merci. Et puis avec des découpes un petit peu autour, comme si c'était déchiré. Ah, c'est bien sympa, ça. Ah bah alors là, honnêtement, encore une découverte. Hein. Je ne connaissais pas. C'est waouh, waouh. Merci beaucoup. Bon alors attends, hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vais ranger après parce que sinon je vais être débordée de tous les côtés. Hop. Alors maintenant, je vais passer au dernier donc calendrier pour aujourd'hui. Donc c'est le calendrier de Magali. Alors Magali, donc toujours ces petites pochettes. Franchement, quel boulot tu as fait Magali, c'est waouh. Tu as dû y passer un sacré bout de temps. Alors, la citation du jour, une des plus belles choses dans la vie, c'est de trouver un ami, une amie qui peut vous comprendre sans avoir à donner d'explication. Ouais, c'est de Ishal Gibran. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne connais pas. Mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Alors, la devinette du jour. Anniversaire de ma maman. Ah, c'est l'anniversaire de ta maman. Eh bien, bon anniversaire à elle. On est le 10 décembre. Ah, c'est cool. C'est cool. Donc là, on a... Alors, je pense que c'est un bloc. Parce que vu la taille, ça fait du 30-30. Donc, ça me fait penser à un bloc. Alors, tu ne veux plus en acheter. Mais celui-là, il va te plaire, c'est sûr. Oh, c'est pas que je veux plus en acheter. J'en achète... Non, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, je crois quand même. Mais non, c'est pas que je veux plus en acheter, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vouloir utiliser un petit peu ce que j'ai. Mais je suis pas fermée à en acheter. C'est juste que voilà. Après, il faut vraiment que ce soit des gros coups de cœur. Mais c'est vrai que je limite maintenant. Je limite. Parce que bon, c'est vrai que l'air de rien, on en a quand même beaucoup. Hein. On a quand même beaucoup de choses. Et puis après, il y a aussi d'autres impératifs dans la vie. Hein, que voilà, le loisir créatif, ce n'est pas non plus la priorité des priorités. Donc, alors, bon, par contre, si elle me dit que ça va me plaire, est-ce que c'est par rapport aux couleurs? Est-ce que c'est par rapport au thème? Je ne sais pas. Oh, j'ai du mal à ouvrir les paquets, moi. Ah, il y a peut-être encore du scotch remarqué. Oui, d'accord. Je peux continuer à tirer, il y avait encore un bout de scotch. C'est un peu normal. Alors, celui-ci. Et mais je ne l'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais vu. J'aurais tendance à penser que c'est un bloc de chez Action, parce que Craft Sensation, c'est beaucoup les blocs qu'on trouve chez Action. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais alors moi, je ne l'ai encore jamais vu. Ah ouais, là, je ne connais pas. Alors, on est dans les teintes de vert, mais on est dans un vert un peu... c'est un vert, je sais pas comment le définir. Ça fait un peu, enfin moi j'appelais ça un peu vert bleu pétrole. C'est et là dans les teintes orange. Ah, c'est sympa ces couleurs. C'est pas des couleurs que l'on trouve tout le temps. Oh, c'est joli. Hein. C'est joli. Hein. Très belle couleur aussi là. On est dans les teintes vraiment vert et orangé, mais elles se marient vraiment très très bien. Elles se marient très très bien. C'est sympa ça. Ah ouais, j'ai jamais vu. Alors bon, je prends un petit peu le temps de regarder. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Ah, c'est sympa aussi, ouais. Ah, il y a des jolis papiers. Hein. Ah, j'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais vu. J'aime bien cette couleur. J'aime beaucoup. Hein. Donc là, ça nous donne un effet un peu de pierre, de. Ouais, sympa. Hein. Sympa. Hein. Ah, c'est le même que l'autre, mais dans une couleur différente, je crois. Il me semble que c'était exactement le même motif. Ouais, c'est exactement le même motif, mais dans une couleur différente. Là, on est entre le orangé et le marron. On est un petit peu couleur argile. C'est joli. Les couleurs sont pas communes. Elle est belle aussi, celle-ci. Ah, c'est vraiment sympa. J'aime l'originalité de ce bloc. J'aime beaucoup. Ça, c'est sympa aussi.
C'est pas le genre de motif que j'utilise. C'est marrant parce que c'est pas un motif qui au départ m'attirait plus que ça. Oui, j'aime bien, mais sans plus. Mais je trouve qu'avec cette couleur orangée, ça donne un coup de, je sais pas, ça donne un coup de peps différent et j'aime bien. Très jolie que celle-ci, elle est belle en couleur. Très très sympa. Ça fait un peu penser au motif cachemire. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup et franchement, une découverte pour moi parce que je ne sais pas si pour vous c'est nouveau, mais personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Donc, jamais vu. Bon, c'est vrai que je ne regarde pas forcément beaucoup de vidéos parce que j'ai moins le temps tout simplement, hein. Donc voilà, mais waouh, encore de super belles choses. Vraiment un grand, grand merci à vous tous. C'est waouh, super. C'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Bah, j'espère qu'en tout cas, tout va bien pour vous. J'espère que si vous ouvrez également des calendriers, eh bien, vous êtes aussi content et contente que moi quand je le fais. Franchement, c'est un pur bonheur. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, un très bon week-end qui arrive bientôt. Et je vous dis donc à demain pour des prochaines vidéos. Et théoriquement, Déborah devrait être avec moi pour l'ouverture de demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.